Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui et sur La Ruche Média et sur le groupe Audience. Je reçois aujourd'hui Noël Châtelet pour simplement... En fait, aujourd'hui, nous sommes dans la Maison de l'Amérique latine. Est-ce que vous allez bien? Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Je vais très très bien. Ah, super. Très très bien. Voilà. Et nous parlons aujourd'hui, 10 novembre, du deuil. Alors, oui. Ça peut être un terme comme ça qui fait parfois un peu peur, c'est un sujet parfois tabou en France, on va en parler ensemble. Mm-hmm. Et l'idée de cette journée, de ce colloque organisé par Sarah Nikès depuis 17 ans maintenant, c'est la 17e édition, c'est justement de pouvoir parler, mettre des mots sur des douleurs, pour que ça soit de moins en moins quelque chose de caché. Mm-hmm. Et une douleur qu'on puisse partager pour que ça devienne une joie. Et quand je pense à la joie, je pense à vous qui êtes souvent dans ce colloque, et vous êtes aussi à la tête... l'association du droit de la dignité. À la tête, c'est un bien oui. grand mot. C'est un grand mot. Alors, vous, en tout cas, vous êtes très proche de cette association et vous vous battez pour que justement le droit de mourir dans la dignité soit quelque chose maintenant de logique. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, en voyant la foule qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même du monde, en librairie, les livres sur ce sujet se vendent. Est-ce que vous avez le sentiment que justement les mentalités évoluent, qu'il y a une demande d'information par rapport au sujet autour du deuil et de la mort? Bien sûr. Les Ça va mieux. Les choses ont beaucoup changé. Ces 20 dernières années. Mm-hmm. Alors chacun y contribue à sa façon. Moi, j'ai utilisé la littérature. Ouais. Elle est très utile, vous savez. Complètement. Pour interroger la société. Et effectivement, pour nous délivrer d'un tabou qui pèse sur les questions de la mort, alors que, au fond, nous sommes... Tous concernés. Nous tous concernés, et c'est même la seule chose que nous ayons vraiment en commun. Et parler de la mort n'est pas morbide. Voilà, c'est ce qui est assez formidable dans vos écrits. Quand on pense à la dernière leçon, la suite de la dernière leçon, le film qui a été fait il y a 3 ans maintenant avec Marthe Villalonga et Sandrine Bonner qui rappelle l'histoire de votre maman Mireille et la façon dont elle vous a appris le deuil, voilà. Vous en parlez aujourd'hui avec joie. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire réellement que dans la transmission, ça s'apprend aussi? Bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais je pense que regarder la mort dans les yeux, en comme face, ma mère m'a obligée d'une certaine manière à le faire, parce que j'étais comme tout le monde, j'avais peur, est une manière de dédramatiser, vraiment, véritablement, et d'entrer presque en familiarité avec l'idée de la mort. D'accord. Et je pense que cette éducation, cette initiation... elle devrait être naturelle, comme elle l'est d'ailleurs dans certains autres pays. Hein. Voilà, c'est je très français que... d'avoir... Pas seulement français, je dirais, c'est occidental. D'accord, d'accord. Il y a des pays où on est mieux préparé à la mort, où la mort fait partie de la vie. Mm-hmm. Pour nous, aujourd'hui, et de plus en plus, grâce aux progrès médicaux, et à l'image de toute puissance qu'on se fait de la médecine, la mort finit par devenir un accident. Oui, voilà. C'est pas fait exprès. Oui, c'est pas fait exprès. Je meurs, mais j'ai pas fait exprès. Voilà. Non, il faut retrouver cette évidence, ce mouvement naturel de la vie et de la mort qui sont indissociables. Mm-hmm. Et c'est ce que ma mère a cherché à faire quand elle m'a préparé à son départ, dans les 3 mois du compte à rebours de sa mort annoncée. Exactement. C'est très rapide, 3 mois. On a à peine le temps au niveau cerveau d'accepter. Vous avez accepté. 3 mois d'intense éducation. J'utilise le terme de leçon. Oui. Je suis comme une petite fille à l'école de la mort. Mm-hmm. Et ma mère me tient la main, elle me fait tourner les pages des leçons les unes après les autres pour désactiver cette peur, cette effroi, crainte majeure, qui nous de l'abandon, étreint, de l'abandon. On n'est absolument pas préparé à la mort, et c'est vrai que je crois, et j'en ai fait l'expérience personnelle, que la mort s'apprend. Mais ça, c'est très positif d'entendre quelque chose comme ça, que ça fait partie de l'apprentissage. Vous dites aussi, à travers les objets, de revisiter ensemble notre histoire et notre enfance, nos liens, pour justement ne pas oublier. On peut se demander aussi si on peut continuer à aimer les gens qui sont morts. Est-ce qu'on peut arriver à les aimer 20 ans, 10 ans après? Est-ce qu'on n'a pas peur de les oublier? C'est peut-être aussi ça qui nous fait peur. On a d'autant moins peur de les oublier, nos chers disparus, qu'on les a bien quittés. Voilà. Donc cette phrase est assez incroyable. En effet, on n'est pas prêt. Et on n'est pas préparé, parce que j'ai pas l'habitude, moi, d'entendre ce dialecte-là. Vous êtes universitaire et écrivain. Vous avez travaillé sur le corps et l'esthétisme. Comment, quand on voit l'esthétisme de la mort,
Par exemple, Géricault, un tableau où on a les choses en pleine face, comme ça, mais de façon très morbide. Est-ce que ça fait aussi partie du travail des artistes, de la culture, de parler et de faire comme vous faites, c'est-à-dire d'apporter un petit peu plus de réalité ou de joie dans le travail autour de la mort ? Moi, j'entends mon travail d'écrivain comme un travail de désenfouissement. Ah, c'est joli comme mot. Oui, je pense qu'il faut... je vais vers les choses qui me font peur. D'accord. Presque par devoir. Oui. En me disant, si là j'ai peur, si là je sens mes propres limites, c'est que ces peurs et ces limites sont universelles. Donc, mon travail d'écrivain, c'est avec mes outils. Sensible évidemment d'écriture, c'est d'aller déterrer tout ça, puis de le regarder en face, de le regarder en face, le dompter un peu, le maîtriser, non pas le contrôler, mais le maîtriser un peu, de dialoguer avec ce contrôle, c'est plus positif, voilà. Et surtout de faire partager ce dialogue, oui, pour qu'il se perpétue, parce que je n'ai pas écrit la dernière leçon pour faire le deuil de ma mère, oui, contrairement à beaucoup d'écrivains qui écrivent de façon cathartique, voilà, oui, de cette façon-là. Moi, le deuil était fait puisque elle m'avait fait faire le deuil d'elle en amont, avant, exactement, son départ. Exactement. Donc non, j'ai vraiment écrit, et d'ailleurs sur sa demande, oui, j'ai écrit la dernière leçon pour partager cette expérience unique. Que j'avais vécue. C'est inédit. Inédit, et qui a fait son chemin, parce que le livre a eu un succès, très grand succès. Je ne le dis pas d'une manière narcissique, non, ça prouve que les gens étaient dans une demande, et ils avaient besoin d'entendre les mots que j'ai écrits dans la dernière leçon. Ils avaient besoin de ce discours-là. Et je pense que ça a participé à une prise de conscience extrêmement importante, et en particulier celle... De regarder la mort autrement, non pas comme un drame absolu, mais comme un dernier acte de vie. Un dernier acte de vie. Et exactement. C'est d'ailleurs ce que je défends. Ben oui, à travers avec l'association. La DLD, oui, dont je suis marraine, en quelque sorte. D'accord. Pas présidente, pas à la tête, comme vous disiez, mais marraine. Je suis marraine du comité de soutien, de cette association, avec plein d'autres écrivains, artistes, etc. Et nous combattons, comme ma mère l'avait fait elle-même, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais elle est à l'origine. Elle est à l'origine, exactement. Elle a maintenant 37 ans. Exactement. Elle l'a cofondée avec mon père et d'autres. Et moi, j'ai repris le flambeau, en quelque sorte. Et nous nous battons pour une belle mort. Et pour nous, la belle mort, si c'est possible, c'est de la maîtriser, pourquoi pas de la choisir, si le choix de la mort est un choix de vie. Exactement, quand on dit choisir, c'est renoncer, c'est aussi justement renoncer à la peine, au morbide, et à choisir à aller dans l'acte de vie et dans la joie. Absolument. Là, ça a son sens. Absolument. Et en France, on meurt pas totalement bien. Parfois, on meurt un peu mal. On meurt très mal en France, pas parfois en dehors. Voilà, c'est ça. On parle. Mais... En France, on meurt très mal et tout le monde le reconnaît. Maintenant, de plus en plus, c'est dit de plus en plus, que ce soit au Sénat ou ailleurs, dans Monsieur Fillon, on a beaucoup parlé dans sa campagne, donc ça a touché tout le monde. Donc, il y a une évolution des mentalités, on s'en rend compte. Il y a une évolution, mais il faut qu'on arrive à faire comme certains pays d'Europe, qui permettent, avec d'autres moyens, à ceux qui souhaitent partir, de partir entourés des leurs, main dans la main avec les gens qu'ils aiment, et de vivre ce dernier acte de vie comme on vit le premier, comme on le souhaite, c'est-à-dire exactement. Comme une joie. Comme on vit le premier, chance. Exactement. Même si on pleure quand on est, au final, c'est la joie d'arriver au monde. Donc, mais une arrivée qui, évidemment, qui inclut le départ. Exactement. Ouais, on apprend à mourir dès qu'on est, c'est ce qu'on dit souvent. Ma mère ne m'a peut-être pas complètement guérie de ma propre mort, Ma mère ne m'a peut-être pas guérie de la peur de ma propre mort, mais elle m'a fait faire un chemin absolument incroyable. Ce qui est intéressant pour vos enfants et vos petits-enfants aussi. Oui, je commence déjà à parler de ça, mes petites filles. Je les prépare à mon départ, oui, d'une manière très, très drôle et très ludique.
parce qu'elles n'ont que 9 et 11 ans. D'accord. Mais ça fait partie de nos conversations, oui, bien sûr. Oui. Et ça doit se faire en amont, ça. Ouais, voilà, pour pas de surprise et pour justement apprendre à vivre avec et à transmettre de génération en génération. C'est ainsi qu'on aura moins peur dans ce pays et ailleurs de trépasser. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre travail, pour cette capacité à vulgariser un sujet qui est trouble et touchant, et d'en faire quelque chose d'audible et de joyeux. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup, Noël, et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.